Est-ce que c'est possible d'hypnotiser les animaux? Eh bien, pas vraiment. Oui et non, parce que ce n'est pas vraiment de l'hypnose, c'est des ondes hypnogènes qu'on peut toucher et l'animal va tomber dans un état second. C'est un état de protection en même temps. Hein. On le voit chez le crapaud, par exemple, si on le prend avec le pouce sous le ventre et les quatre doigts sur son dos et qu'on fait une légère pression, l'animal va tomber dans un état de catalepsie ou de léthargie. C'est une question de protection. Alors, ce n'est pas vraiment de l'hypnose, mais on peut quand même créer un état second chez l'animal.